Un Dieu parmi les hommes, un puissant parmi les faibles. Ce qui nous renforce, c'est d'être près de toi, l'homme fort. Emmanuel est ton nom, présent à chaque circonstance. Règne éternellement le Dieu de nos cœurs. Nous voici dans ta grandeur, imprégnés dans ta présence, toi qui règnes. Emmanuel, roi de mon cœur, honneur louange à toi qui demeure. Oh oui, ces chants venant de mon cœur, l'expression de mon âme est Jéhovah. Toi qui quittes ton trône, qui viens habiter parmi nous, et Emmanuel. Nous avons besoin de toi, Yahweh. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel, le Dieu parmi son peuple. L'essentiel est ta volonté. L'essentiel est ta volonté. Primé dans mon parcours sur terre. Combien je souhaite demeurer. Combien je souhaite demeurer. À jamais sans me lasser dans ta présence. Oui, dans ma vie tu t'es démarqué. En montrant sans arrêt ton amour. Madame, Mandiagu Mizidi, exaucée, aide-soignante, domiciliée, 2 rue de Fleurus à Metz en Moselle. Monsieur Dikondo Moïse, contrôleur en urbanisme, domiciliée 81 rue Kellermann à Metz en Moselle. Madame Mangulène Price, profession responsable de secteur, donc domiciliée 20 rue Bergerie à Metz-en-Moselle. Ayant fait le point donc, sur les témoins, nous allons pouvoir passer à la célébration du mariage. Donc le 4 mars 2023, à 14h30 minutes, devant nous comparu publiquement à la maison commune, M. Gulisno Simao Lenzo, né le 29 septembre 1968, en province de Zaïre, en Angola, domicilié 2 rue Tortelin à Wapi, en Moselle, de situation célibataire, fils de Francisco Lenzo, décédé, et de Paulina Kungu, domicilié à Luanda, en Angola, et de Madame Kibuyu Nakaya Rose, née le 12 décembre 1979 à Kinshasa, au Congo République démocratique, de profession agent d'entretien, domicilié 2 rue Victor Poulain à Wapi en Moselle, de situation célibataire, fille de Roger Kibundu, décédé, et de Abenette Nakaya Musa, professeur, domicilié à Kinshasa, au Congo, en République démocratique. Donc voilà donc pour la lecture de l'acte. Tel qu'il résulte de la loi numéro 2013-404 du 17 mai 2013, les dispositions du Code sur les devoirs et droits respectifs des époux. Article 212. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance.
Article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 214. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Article 215. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Article 371-1. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique. Alliance. Nous allons pouvoir passer au consentement. Consentez-vous à prendre pour épouse Madame Rose Kinougu Lakaya, ici présente? Oui. Madame Rose Kinougu Lakaya, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Sima Olenzo Bustino, ici présent? Oui. Au nom de la loi et par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare unis par le mariage. Alors, je vais demander à chaque marié. Jésus, mon sauveur, immense joie en moi et mon cœur bat la chamade. Tu es en moi et moi je suis en toi. Mon grand frère, ma sécurité. Quand je me balade, je perds souvent la foi dans des hauts et des bas. J'en fais pas tout un plat car comme David, tu me soutiens dans des combats par-ci et par-là. Ici et ici-bas, je veux marcher sur tes pas. Papa Yahweh, ne nous laisse pas. Mais où aller? Loin de toi, la mort assurée. Nos fautes consumées, parfois le sacrifier. Merci Jésus d'avoir pardonné, fidèle à ta parole, fidèle à tes promesses, hein. Je m'incline devant toi, puis mes yeux je les baisse, hein. Sa majesté, Adonai, force et noblesse. Je m'incline devant toi, puis mes yeux je les baisse. Let me worship you, Lord. You, Jesus Christ, true Lord. You are everything for me. Je m'incline devant toi, puis mes yeux je les baisse. Yeah, you know you are for me. My reason for living, my King. Oh Jesus, yes, 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 you know. Oh yeah. Jesus, l'amour est un homme, lumière qui lui donne l'homme. Parole faite chair, Jésus-Christ de Nazareth, mon repère qui a vu le Fils, a vu le Père perdu dans le péché. L'homme s'était enlisé, son sang versé pour nous sauver. Maintenant libéré des fautes qui nous condamnaient. Grâce, 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 mamé, toute est grâce. L'amour c'est donner, l'amour c'est pardonner. L'amour supporte tout, comprend tout, espère tout. L'amour ne recherche guère son intérêt. L'amour manifesté sous la croix en Jésus supporte tout, comprend tout, espère tout, mamé. Let me worship you, Lord. You, Jesus Christ, true Lord. You are everything for me. My reason for living. Yeah, you know you are for me. My reason for living. My King, my first love. Oh, Jesus. Yes, 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 you know. Yes, you know. Oh Jesus. Oh, remplis-nous de ta présence.
dit, nous avons besoin de sa parole. Lorsque lui dit un mot, l'onction pour la chose. Mandera de secret, les compétences du Dieu dans les lois. Dis donc au fond de ton onction, de ta présence, au fond de ta de la plénitude de ton esprit en ces lieux. Sabra de secret, arabo, chaque débat, broda de secret. Descends, descends, descends. Remplis-nous de ta présence en ces lieux. Remplis-nous de ta présence. Nous t'aider.